Marc Daniel, transformer les otages en ambassadeurs. J'adore cette histoire. Allez-y, racontez-nous ça. L'invention de la diplomatie. Oui, la diplomatie est liée à les relations franco-turques. En fait, jusqu'au XVIe siècle, il y avait des ambassadeurs, mais ces ambassadeurs, c'était des gens qu'on envoyait dans un pays ami ou adverse pour leur déclarer la guerre. Ils restaient un certain temps, puis ils revenaient dans le pays d'origine. Et au XVIe siècle, François Ier est cerné par les Habsbourg, qui contrôlent l'Espagne, le nord de l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Il n'arrive pas à s'allier avec l'Angleterre, et donc il cherche une alliance de revers, comme on dira plus tard, c'est-à-dire il cherche l'allié qui est un peu plus à l'est que les Habsbourg. Et il tombe sur l'Empire ottoman, et donc il signe une alliance en 1536 avec les Ottomans. Sauf que les Ottomans sont musulmans, le pape crie en disant qu'est-ce que c'est que ce chrétien qui s'allie avec les ennemis des chrétiens, on le menace d'excommunication, et donc les Turcs disent on n'est pas très sûr que cette alliance sera très solide, on veut des garanties, on va donc vous demander de nous envoyer des gens de très bonne qualité qui vont être retenus en otage à Istanbul, et si jamais vous trahissez votre parole, on leur coupe la tête. Voilà, on les... Bon, donc François Ier est obligé de se soumettre, et puis 50 ans après, le sultan envoie un message à Paris. Entre-temps, le roi a changé, mais c'est Henri III qui est devenu roi. Et il dit, écoutez, apparemment, vous êtes des gens d'assez bonnes paroles, donc on vous renvoie les otages. Et Henri III a une idée de génie, il dit pas du tout. Ils restent, parce qu'ils sont contents d'être en Turquie. La Turquie est un pays ami. Ils se vivaient pas comme otages, mais comme représentants de la France en Turquie, et comme moyen d'assurer une liaison privilégiée entre la Turquie et la France. Donc ils restent. Alors les Turcs disent, mais avec quel statut? Mais on va inventer un statut. Et ce statut, c'est le statut moderne d'ambassadeur. C'est-à-dire le statut de la personne qui est résidente permanente dans un pays pour représenter un autre pays. Alors très vite, il va y avoir quand même des contestations parce que au début du XVIIe siècle, Sully essaie de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Et le roi a changé de nouveau, c'est Henri IV. Et il lui dit, mais ça sert à quoi ces gens qu'on entretient à Constantinople? À la sublime porte. À la sublime porte. Et Henri IV dit... Pas grand chose, mais il y a l'individu qui est là-bas, je ne peux pas le supporter, il vaut mieux qu'il soit à Istanbul plutôt qu'à Paris. Et donc, ça c'est resté très vrai ça. Et les ambassadeurs sont nés de cette combinaison entre Henri III et Henri IV.